Bonsoir et bienvenue dans La Tout Essayé. Ce vendredi soir chez vous, Christine Bravo, Philippe Vandel, Stéphane Coquerin, Sophie Garel, un homme qui triomphe au théâtre, Jean-Luc Lemoine, Maureen Dor. Pourquoi vous riez? C'est vrai que... Vous avez raison. C'est vrai que l'espace de 3 secondes, j'ai cherché où vous triomphiez. Voilà, ouais. Je veux dire, une femme qui triomphe chez elle sur son canapé. Ben oui, votre mari, paraît-il, est très content de vous, Maureen. Ben oui, puis mes enfants aussi. Je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Nicole Coste à la une de VSD cette semaine, la désormais célèbre hôtesse de l'air qui, en mai dernier, souvenez-vous, avait révélé l'existence d'Alexandre, le fils qu'elle a eu avec Albert de Monaco. Et cette semaine, dans un long entretien à VSD, elle tente de faire taire les rumeurs et de rétablir la vérité sur cette histoire. Et on la croit, Nicole, quand elle parle, on la voit sur toutes ces photos. C'est une fille simple. Regardez, là, elle marche le long de la Seine. Après, elle s'achète des livres. Ensuite, on la voit s'acheter des fleurs. On la voit faire du vélo. Elle mange des carottes. Bref, on se dit que c'est un bon paquet d'argent qu'il doit lui filer tous les mois, Albert, pour avoir rien à foutre comme ça tout au long de la journée. Hein. Oui, puis alors en plus, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Et bien après, elle dira qu'elle a pu un radis. Regarde, c'est pas vrai, c'est la preuve en photo. Pareil, en tout cas, qu'il y a beaucoup de gens qui l'interpellent dans la rue, mais c'est parce qu'ils la confondent avec Serena Williams. En tout cas... Je trouve que c'est incroyable ce qui se passe à Monaco, l'histoire de cette femme avec le prince Albert, parce que c'est tout le contraire de ce qui se passe avec Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco, elle, elle s'est fait que des ploucs et ça lui a pas rapporté un rond. C'est vrai. On passe à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et d'abord un dessin signé Cabu dans Le Canard Enchaîné qui nous fait un petit point sur la santé du président Chirac. On voit un médecin qui lui dit « Bon, on la refait cette tension artérielle, mais cette fois vous pensez pas à Sarkozy. » J'adore. TNews aussi dans Marianne se veut rassurant sur l'état de santé du président. Chirac va bien, il n'a aucune séquelle, sauf qu'on le voit dire à Sarkozy, mon ami. On retrouve Cabu dans Le Canard Enchaîné qui cette fois-ci nous emmène à l'Elysée. Pour se ménager, Chirac devrait installer un ascenseur de rampe et on voit Dédette, Bernadette qui lui dit on fait la course. Dans le même journal, Pétillon nous montre Jacques Chirac et Dominique de Villepin, son premier ministre, en train de faire le bilan de cette semaine chargée pour monsieur de Villepin. Le président lui dit, puisque la même semaine, Villepin a touché le cul d'une vache et serré la main à Bush, lui dit, alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile des deux? Les catastrophes aériennes de ces dernières semaines ont inspiré ce dessin à Viaz dans le Nouvel Obs. On voit monsieur de Villepin et monsieur Sarkozy qui se bagarrent et un spécialiste qui dit « La boîte noire nous enseigne qu'au moment du crash, une grande mésentente existait entre le pilote et le copilote. » C'est une belle leçon, ça, non? D'être épuisant. De faire croire qu'on est copain avec quelqu'un et de faire des sourires. Oh, regardez, on y arrive bien. Dans Charlie Hebdo, le dessinateur Luz nous croque le président en difficulté au balcon du palais de l'Elysée. Le squatteur de l'Elysée, on voit Sarkozy avec un mégaphone qui dit « Quittez ce logement vétuste immédiatement !» Et Chirac qui lui répond « Pas avant d'avoir trouvé une solution de relogement pour 2007. » TNews dans Charlie nous emmène en Louisiane, aux États-Unis, et on nous dit que Clinton c'était Monica, Bush c'est Katrina, et on voit un black qui dit vivement un président homosexuel. On revient en France avec Cabu dans Charlie Hebdo qui nous offre ce portrait de famille de l'heureux vainqueur de l'euro million, 75 euros millions en jouant la date de naissance de ses enfants. Merci mon zob, dit monsieur. Il a vraiment joué la date des 7 parce qu'il a quand même, il a 7 enfants, il y a 7 numéros, il a vraiment joué la date pas, des 7. Je crois que Cabu a un peu exagéré, je pense pas que c'était la date. J'ai pas lu ça en tout cas, j'ai jamais lu. Faudrait vérifier s'il a vraiment joué la date de naissance de ses enfants. Pourquoi vous marrez? Oh merde, c'est trop drôle, attends. C'est pas le mec qui décide de la date de naissance des enfants, c'est la femme. Non, comment ça? C'est lui qui fait les C'est la femme qui accouche, c'est les... Oui, quoi. Ça, elle peut se retenir. Oui, c'est en vous compliquant la vie comme ça que vous gagnerez jamais au loto, vous, alors.
Le vainqueur du loto, toujours vu par Luce, cette fois dans Charlie, le gagnant de l'Euromillion, réalise le rêve de tous les Français. Et oui, pouvoir faire le plein pendant un mois. Pourquoi vous n'avez pas compris, Christine? Je comprends pas. Parce que l'essence est chère. L'essence est chère. Et pourquoi un mois? Je pense que là, il vaut mieux plus expliquer la vie. Une petite discussion maintenant de comptoir sur le même sujet, le loto avec le Fred Touron dans le Canard Enchaîné. 75 millions gagnés. Et toi, tu fais quoi si tu gagnes hein? Tout le monde s'est posé la question. Et l'autre type répond, pardi, ben moi je rejoue. HP, on ferme. C'est le titre de dessin de Tinius. Et quelqu'un dit, ça doit être les initiales qui veulent ça, puisque HP, c'est aussi bien Hewlett-Packard que Hôpital Public. On termine avec Philippe Gueluc dans VSD, son chat, qui nous montre un paquet de cigarettes sur lequel on peut lire « fumez-tu ». Mais si on lit bien les mots entre « fumez-tu », c'est écrit « fumez un peu, ne tue pas beaucoup ». Nous allons maintenant accueillir Olivier Adam, auteur de ce nouveau roman « Falaise », un livre sorti fin août aux éditions de l'Olivier, qui figure sur la liste d'ailleurs des 13 ouvrages sélectionnés pour le prix Goncourt, mais aussi en lice pour le prix Médicis. Olivier Adam est considéré comme l'un des jeunes écrivains français les plus prometteurs. Sophie Garel va nous dire si elle est d'accord avec ça. C'est à elle que nous avons confié la lecture de « Falaise ». Mais avant de vous donner la parole, Sophie, accueillons tout de suite Olivier Adam. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Bon, ça se passe pas mal pour vous. C'est vrai qu'on a lu à travers toute la presse plutôt de bons papiers sur votre livre. Vous êtes en plus en lice pour deux prix, Médicis ou Goncourt. Bon, j'imagine comme tout. J'allais vous demander, vous en avez envie? Oui, tout auteur a envie de gagner un jour le Goncourt, j'imagine. Bah, on a surtout envie de tout ce qui peut faire que le livre va être le plus lu possible. Le plus lu possible. Et voilà, et les prix font partie des choses qui sont extrêmement. Qui font en sorte que les livres sont plus lus. Il y a le Goncourt des lycéens aussi. Aussi, pourquoi pas. Voilà, ben voilà. Sophie Garel, c'est pas le Goncourt des lycéens, mais. Je n'ai rien dit, Sophie. Oui, non, mais j'ai eu quelques années. Le Goncourt Notre Temps par Sophie Garel. Voilà. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui a 31 ans quand s'ouvre le livre. Il se retrouve dans un hôtel à Étretat avec sa petite fille et sa femme, qu'il adore. Il regarde par la fenêtre et tout d'un coup, il retombe 20 ans auparavant, il a 11 ans, et effectivement, dans ce même hôtel, il était venu avec son père et sa mère, qui sortaient d'un hôpital psychiatrique, qui était déjà très malade. Il était venu avec son père, sa mère et son frère passer quelques jours. Et une nuit, cette mère s'est levée, et elle s'est jetée de la falaise d'Étretat, et elle est morte. Et c'est très bizarre, parce que ça semblerait être très autobiographique, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'auteur a 31 ans, comme vous, qu'il s'appelle Olivier, comme vous, et que c'est un tel vécu de sensibilité. On se dit, il n'est pas passé à côté, c'est pas possible. Ça lui est arrivé, ça ou autre chose. Mais c'est, vous lisez ce livre à fleur de peau, la gorge serrée, ça vous ramène à vos propres souvenirs. C'est pourtant écrit très sobrement, sans jamais aucun effet, écrit clairement, intelligemment. C'est un livre qui m'a émerveillée et en même temps qui m'a fait souffrir. Parce que c'est un livre qui est difficile, qui vous fait retraverser tous les chagrins que vous avez eu dans votre vie. Alors ce garçon de 11 ans, quand sa mère meurt, il se retrouve seul avec son frère et son père. Le père s'enferme dans un mutisme total et dans une violence incroyable. Le frère rentre dans un coma pendant 6 semaines. Ils vont avoir... Racontez pas tout quand même. Ah non, mais c'est tout à fait le début. Ils vont avoir une jeunesse totalement déchirée. Ils vont expérimenter la drogue, les amours ratés. Et petit à petit, ça va être traversé par... plein de douleurs. En fait, ça me fait penser à la chanson de Brel, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Et finalement, il retombe sur ses pattes parce qu'il a un enfant et une femme qu'il aime, mais toute sa vie, il est hanté par le fantôme de sa mère, au point d'en avoir des hallucinations, c'est-à-dire dans la rue, il suit des bonnes femmes. Et nous tous qui avons eu des chagrins, on a eu ça. Il la cherche, cette mère qui lui a été enlevée à 11 ans. C'est un bouquin bouleversant et je suis sûre qu'il va avoir un prix. Parfait. Quelque chose à redire, des commentaires à apporter sur ce que vient de dire Sophie. D'abord, merci pour commencer. Et puis,
Oui, il ne faut pas les suicider à la fin du livre, parce que le narrateur, lui, il survit. C'est d'abord un livre de survie. Voilà. C'est d'abord un livre de comment, enfin, qui raconte comment quelqu'un arrive à quand même tenir debout et où il encaisse tous ses coups. Donc pour moi, c'est un livre, certes parsemé d'énormément d'événements tragiques, mais qui dit surtout la survie et la volonté de vivre. Ça a été un livre difficile à écrire ? On dit que c'est l'aboutissement des livres précédents. Oui, enfin moi je l'ai vécu comme ça, mais plus d'un point de vue littéraire quoi, que d'un point de vue personnel. Après, évidemment, c'est vrai que si j'ai choisi d'appeler mon personnage par mon propre nom et lui donner mon âge, c'était aussi que je me suis aussi taillé un rôle à ma mesure. Et j'ai beaucoup puisé dans des tas de détails de ma vie personnelle. Et il y a un moment donné où, comme les comédiens parfois qui jouent un rôle pendant très longtemps, un rôle difficile, vous disent qu'ils commencent à souffrir du rôle qu'ils jouent, c'est vrai qu'à un moment donné, je sais pas. Mais en même temps, moi, je souffre pas quand j'écris quoi. L'écriture pour moi c'est une délivrance incroyable. Thérapie c'est un plaisir. Oui, enfin c'est une jouissance incroyable. C'est une bonne bouffée de ventoline pour un asthmatique quoi. Votre maman n'est pas morte. Non, ben voilà, elle regarde. Voilà. Christine, vous aviez déjà lu du Olivier Adam parce qu'il en est pas non, à son pas premier du bouquin. Tout. Et comme je viens de commencer un traitement sous antidépresseur, franchement, j'ai pas envie de le lire. Là. Excuse-moi avec ce que tu. Vous saurez tout sur la vie de. C'est ça. Bravo. Est-ce qu'il y a de l'humour dedans ? Non, aucun. Putain. Mais pas forcément de l'humour, vous savez, la littérature souffre de cette légèreté tout du le temps, cynisme du aussi. Cynisme, de l'ironie, à tout va, de la légèreté. À force de vouloir toujours avoir l'air de rien dire, on finit par rien dire. Quoi. Pas tout le monde est Souchon. C'est pas du Houellebecq, hein, ça, pas du tout. Hein, de toute façon, il a des goûts littéraires formidables que je partage avec lui. Ah oui, par exemple. Ah bah, il adore Fante, il adore les écrivains américains, ça j'ai lu dans sa bio. Moi, pareil, les mêmes. Donc, je ne peux pas imaginer qu'un type qui aime autant ces gens-là soit un mauvais écrivain. Philippe Vandel. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand vous racontez votre façon d'écrire, c'est que vous mettez du point de vue du lecteur. En gros, il y a deux façons d'écrire en roman. Soit on fait l'école Columbo, soit on fait l'école Starsky Hutch. Dans Columbo, tu vulgarises un petit peu. Tu vas comprendre. Dans Columbo, on sait qui est le meurtrier, et après Columbo se débrouille avec ça. Dans Starsky Hutch, on est au même point que Starsky Hutch. On dit, ah, il paraît qu'il y a une voiture bleue qui est passée près de la rivière, et hop, ils y vont. Et vous, vous avez une façon, et vous dites, il ne faut pas que je sois en avance, il ne faut pas que le lecteur soit en avance psychologique sur le personnage. Expliquez-nous ça. Non, mais c'est-à-dire que moi, je prends une autre référence qui n'est pas. Moi, je suis à mon niveau. Hein. Mais, bah, bon, je vais faire au mien. Moi qui ne suis pas hiérarchique, c'est non, juste une référence. C'est que Piala, Maurice Piala, disait toujours, il ne faut jamais être plus intelligent que ses personnages. C'est-à-dire, il faut écrire, comme disait là, un autre écrivain que j'adore qui s'appelle Henri Calais, il faut écrire à hauteur d'homme, à ras d'homme. C'est-à-dire, à partir du moment où vous mettez en position d'écrivain, déjà vous insinuez une distance qui fait que même par rapport au lecteur, vous êtes plus intelligent que le lecteur. Quoi. Moi, je suis ni plus ni moins que n'importe qui. Et, ce que j'essaye de faire, c'est que mes livres soient des paroles d'un humain à un autre. Ce livre, c'est ça, c'est quelqu'un, c'est une voix dans la nuit. Comme disait Ferré, à l'heure où on n'est plus soucieux que des problèmes de mélancolie, c'est une voix à un moment donné qui s'adresse du cœur humain à un autre cœur humain, qui dit « voilà, ma vie c'était comme ça, et d'ailleurs la tienne ne doit pas être si différente, mais pas écrire, plus que ça ». Écrire au ras du personnage, comme vous dites, ça nécessite quoi ? Ça nécessite de tuer l'ego ? Ça nécessite de revenir sur une phrase en se disant « là je me regarde écrire ». Bien sûr, bah, ça comment nécessite on écrit comme ça d'essayer de ne rien laisser passer, de tout tenir, de ne pas s'écouter écrire, d'être au service de son personnage. Ça nécessite de traquer quelque chose qui serait l'ordre d'une justesse de regard qu'on ne peut pas juger quand on écrit. Hein, parce que est-ce que c'est juste ? Il n'y a que vous, en tant que lecteur, qui pouvez me le dire. Si vous voulez, je crois que si une phrase est juste, la sensation est juste. Maureen ? Qu'il est bon d'entendre un jeune écrivain parler comme ça. Ah oui ? Oh, c'est tellement agréable. Mais oui, en général, on a tous des mecs. On a l'impression que... Mais non, mais c'est tellement bon d'entendre quelqu'un qui parle d'écriture et qui parle pas de... Enfin, dont on a l'impression qu'il y a du copinage derrière tout ça. Et non, mais l'écriture est ma manière d'être présent au monde, de sentir le monde, d'y exister, voilà, d'y respirer et d'y être. Quoi. Jean-Luc Lemoine. Ben, c'est un type très énervant quand même. Il a 31 ans et j'ai lu pas mal d'interviews. Et c'est vrai que ce qui est terrible, c'est qu'il dit toujours des phrases intelligentes. Oui. Même que quand il répond aux questions, on a l'impression qu'il lit des livres. C'est vrai, il est très bavard pour un écrivain. Donc, on ne l'imagine pas dire un jour, tiens, frère, j'ai dit à la supérette, acheter du papier toilette, par exemple. Ça n'existe pas. C'est toujours, je crois que j'écris en creux sur des vies, des absences, des béances. Et on ne me pose pas la question sur où est-ce que je vais acheter mon papier toilette. Alors, où est-ce que vous allez acheter mon papier toilette ? Au champion de la rue de Maubeuge. Ah, voilà, ça c'est de l'information. Ça c'est du skip, voilà. Non, au moins.
il est humain. Casse le rêve. Il est humain, c'est ça qui est bien. Mais justement, je vous redonne la parole de Jean-Luc dans un instant, mais Maureen disait, vous ne faites pas partie d'un cercle particulier, mais quand même, en cette rentrée littéraire, là où il y a plus de 600 bouquins, il y en a beaucoup qui sont en concurrence, en lice pour les mêmes prix, est-ce que vous avez lu les bouquins des autres? Non, moi j'ai lu les livres que j'ai souhaité lire, et alors il se trouve qu'il y en a un ou deux qui sont sur la liste. Par exemple? Bah, le Houellebecq que j'ai lu. Et alors, vous êtes plutôt pour? Je suis assez réservé sur ce livre, mais moi, Houellebecq, je le lis depuis son premier livre. J'avais adoré Extension du domaine de la lutte. J'ai un peu moins aimé Les Particules élémentaires. J'ai pas aimé Plateforme. Et celui-là, personnellement, je suis pas très. Enfin, c'est-à-dire, je trouve que découvrir que l'homme vieillit, c'est pas un scoop, quoi. Donc, je suis pas. Ça m'a pas transcendé, quoi. Et le deuxième? Voilà. Le deuxième, non, c'est celui que j'ai acheté que je vais lire, c'est le Toussaint, parce que j'adore Jean-Philippe Toussaint depuis toujours. Fuir, voilà. C'est ça. Fuir, voilà. Christine, bravo. Moi, évidemment, je suis épatée quand je rencontre un écrivain qui écrit et qui se retrouve. Là, en lice pour le concours, parce que j'aimerais bien être à votre place, d'abord. D'abord, écrivez. Parce que... C'est très bien. Mais c'est vrai que pardon, vous me rappelez. C'est la question. Le concours n'a jamais récompensé liste de courses. Et c'est justement ma question. Tu sais très bien, Lolo, pourquoi je dis ça. C'est un travail astreignant. Alors, je voudrais savoir de quoi vous vivez, parce que je sais très bien qu'un écrivain ne vit pas de sa plume. Ben, si. Quel est votre boulot? C'est parce qu'il a plutôt bien vendu les précédents. Non, mais même, ça dépend ce que vous appelez vivre de votre plume. Mais c'est... Si oui, vous voulez aller au bon marché, au Castel et tout ça, mais c'est oui. sûr que non, mais vous n'avez pas envie. Si vous allez faire vos courses aux champions, il n'y a pas besoin de vendre des milliers de livres. Voyons, on revient avec vous. Oui, c'est bien. Sophie, un dernier mot. Achetez-le. Parfait. C'est dit, c'est fait. Falaise, c'est signé Olivier Adam. C'est chez l'Olivier. Merci. Lundi dernier, la NASA s'est fixé le défi d'envoyer sur la Lune 4 astronautes en 2018. C'est l'objectif. L'agence spatiale américaine a en effet promis de repartir à la conquête de l'espace et de renouer avec l'exploration lunaire plus de 45 ans après la dernière mission Apollo. On peut évidemment se demander quelle est l'utilité de ce nouveau voyage spatial. Y a-t-il des armes de destruction massive cachées sur la Lune? Et voilà peut-être la raison pour laquelle les Américains voudraient aller là-bas. Ou tout simplement, est-ce que c'est George Bush qui, à force d'entendre dire qu'il est con comme la Lune, qui veut savoir si c'est vraiment vrai. Pour parler de cette nouvelle conquête lunaire, nous allons tout de suite accueillir un astrophysicien en charge des programmes d'exploration du système solaire au Centre National d'Études Spatiales, le CNES, Monsieur Francis Rocard. Bonsoir, bienvenue. Alors, est-ce que quand Bonsoir. On s'intéresse comme vous à ce qui se passe dans l'espace, à ces expéditions, est-ce que c'est une bonne nouvelle d'apprendre que les Américains vont retourner sur la Lune? Peut-être, en tout cas, d'ici à 2018. C'est, oui, pour moi qui travaille dans l'exploration, oui, c'est une bonne nouvelle, oui. Pourquoi une bonne nouvelle? Ben, parce que je dirais que les Américains ont actuellement deux problèmes, qui s'appellent la navette spatiale et la station spatiale internationale, et que c'est un moyen, finalement, de sortir la tête haute d'un guépier. Et la Lune n'est qu'une étape dans cette affaire, il faut bien le comprendre. C'est Mars, l'étape c'est suivante. C'est Mars, l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est plutôt 2030, 2040. Mais là, c'est très intéressant d'aller sur Mars. Ça sera beaucoup plus difficile. Mais pour cela, il faut un peu se faire la main sur la Lune. Mais on peut se demander surtout pourquoi... Parce que là, on a l'impression qu'on nous fait un remake. C'est-à-dire qu'ils ont eu un succès en 69. Ils font un remake comme Ma sorcière bien-aimée. Ils refont le même film. Pourquoi on attend pratiquement 50 ans pour relancer? Moi, ça me déprime complètement parce que je me rends compte que juste, puisque c'est une étape pour Mars, je ne verrai jamais la conquête de Mars. Et que si un jour je vois des extraterrestres, c'est parce qu'ils seront venus à nous comme les frères Bogdanov, mais c'est tout. C'est vrai, comment ça se fait? Parce que tous les ingénieurs qu'on fait Apollo sont tous à la retraite. Donc en fait, le savoir-faire est perdu, les technologies ont évolué, donc il faut refabriquer les nouvelles fusées. Ça veut dire qu'on repart à zéro alors? Non, on repart avec l'acquis d'aujourd'hui. Se faire la main sur la Lune, ouais. Votre rêve. J'aimerais bien. Juste un mot comme ça. Comment se fait-il qu'il est plus facile d'aller sur la Lune que de faire voler une navette spatiale? 25 ans plus tard, il y en a deux qui ont explosé en vol, ça fait 14 morts, alors qu'on a réussi en 69 à aller se poser et revenir vivant. Ça paraît paradoxal. Ben, c'est une excellente question. Je crois que dans le cas d'Apollo, ça a été assez un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort. En fait, il y a eu trois morts, hein, souvenez-vous. Mais ils étaient au sol, décollage. Dans une phase d'essai. Non, même pas au décollage. Ils étaient dans une phase d'essai dans la capsule. On leur a fait respirer de l'oxygène. Le problème, c'est que l'oxygène, c'est inflammable. Donc, il y a eu une étincelle. Ils sont morts dans la capsule avant qu'on ait pu ouvrir. Ça, c'était l'équipe belge. Pas du tout. C'était trois non, mais tout le monde sait que l'oxygène est inflammable. Justement, puisqu'on parle des Belges, Maureen.
Moi, j'ai, vous dites que ça sera, ça sera une étape d'aller sur la Lune avant d'aller sur Mars. Et j'ai appris qu'en fait, la plus grande difficulté qu'on va avoir en voulant aller sur Mars, c'est que, à la différence de la Lune, de Mars, on ne voit pas la Terre. Et que donc, les astronautes qui seront là-bas, il faut les préparer psychologiquement à se sentir totalement seuls au milieu de nulle part sur l'univers. Alors que ceux qui sont sur la Lune, ils peuvent dire « Allô, bonjour, ici la Lune, comment va la Terre ?» Oui, ils font comme ça, et donc on leur dit « Oui, la Terre, ça va bien, oui, la Lune. Oui, » oui, alors que sur Mars, ils vont dire « Bonjour, ici Mars. » Ils vont attendre 3 mois. Bing, bing, bing. 20 minutes. Ah. Mars, avril, mai, juin. Non, on va revenir à la lettre. C'est-à-dire que vous envoyez une lettre, vous envoyez un message, parlez, et il faudra effectivement 20 minutes pour avoir une réponse. Ça veut dire que sur Mars, il n'y a même pas un troquet, il n'y a rien sur Mars actuellement. Il n'y a pas de martien que je sache. Peut-être dans 20 ans, ça sera différent. Est-ce qu'à long terme, on va pouvoir faire des vols touristiques, par exemple? Parce que on met combien de temps pour y arriver, par exemple? Alors, tu permets, je viens de venir. Et on te donne tout, à toi. Moi, jalouse. Est-ce que on va pouvoir y aller en vacances ou sur Mars? Non. Non, je vous parle de la Lune. Est-ce que c'est envisageable? Je crois que ce qui est envisagé actuellement à une échelle, disons, de 10 ou 20 ans, c'est d'aller faire un petit tour dans l'espace pour des gens quand même qui ont un bon portefeuille. C'est très cher. Vous savez que pour s'appeler un astronaute, il suffit d'aller au-dessus de 100 km d'altitude. Donc c'est pas très haut. Et d'ici quelques années, peut-être 5 ans, il y aura des touristes qui auront payé pas très cher, mais peut-être quand même 40 000 $. Pour faire passer une semaine en orbite basse, c'est 20 millions de dollars. Bon, c'est quand même beaucoup plus cher. Mais pour faire un petit saut de puce et s'appeler un astronaute, ce qui est quand même pas rien, vous allez faire rien que pour vous moucher. 40 000 $, voilà. Sophie. Ça va dans le même sens. Si c'est très long pour y aller, vous avez testé la Terre, vous avez testé la température, c'est vivable ou c'est pas vivable? Ou alors, à quoi ça sert? Parce que si on peut pas aller passer un petit week-end tranquille dans sa villa sur la Lune, regardez ça sert ce qu'ils mettent pour aller sur les la logements Lune. Sociaux, pourquoi on n'en mettrait pas là-bas? Enfin, je veux dire, à quoi ça sert cette Lune? À quoi ça sert? Ça sert à connaître les mondes qui nous entourent. Je crois qu'au XXIe siècle, ça fait partie de l'homme d'explorer au-delà de la Terre, maintenant, les autres mondes, qui sont la Lune, Mars et peut-être... Est-ce que les Américains feront un peu plus de choses que... Enfin, on dit, l'homme a marché sur la Lune. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Ils vont courir cette fois? Il a même joué au golf sur la Lune. C'est vrai? Oui, il y en a un qui a joué au golf sur la Lune. Est-ce que sérieusement, il y aura quelque chose de plus que la dernière fois? La grande différence, Laurent, c'est que 45 ans après, ce ne sera pas l'homme qui va marcher sur la Lune, ce sera la femme qui va marcher sur la Lune. C'est possible, évidemment, ça serait pas mal, toi, comme coup quand même. Ça va être la femme, et comme ça sera la télé-réalité, mais... Moi j'ai une question. J'ai une question très sérieuse qui rejoint la boutade de Maureen et ses fantasmes de s'envoyer en l'air. Vous êtes occupé de Mars. Mars, le voyage fait 500 jours. C'est-à-dire un an et demi. Un an. Mais 300 jours, disons. Quand on se lance pour un an de voyage, on reste 6 mois sur place, on revient un an, c'est-à-dire deux ans et demi, il faut choisir les gens psychologiquement. Est-ce qu'on part en couple? Avec qui il faut partir? Qui on peut supporter 2 ans? Vous travaillez là-dessus? Nous, on ne travaille pas là-dessus parce qu'on n'est pas directement impliqué dans ces affaires. Mais effectivement, c'est un vrai problème. Et les Russes, par exemple, ont une grande expérience des vols de longue durée. Et souvent, ça ne se passe pas très bien. Ça, il faut quand même le dire. Les Russes ont beaucoup caché les problèmes qu'il y a eu. Mais en gros, ils ont tendance à s'engueuler. Ils s'engueulent ? Oui. Ah, mais ça, c'est raconté. C'est du pia-pia. Attends, t'as pas rangé tes affaires et non, alors ce t'as pas sorti la poubelle. Mais si, c'est intéressant. Ça veut dire que même dans l'espace, le communisme, ça marche pas. C'est Gérard Miller. Non, c'est à peu près l'inverse. C'est-à-dire que quand ce sont que des Russes, je dirais de Moscou, ses environs, là ça se passe bien. Par contre, si vous mettez un Russe, un Kazakh, un Américain, là ça se passe pas bien. Et ça améliore ou est-ce qu'au contraire ça fout un bordel noir de mettre des femmes en plus? Alors ça c'est une vraie question. Et aujourd'hui... je pense que ça risque d'un peu compliquer les choses. Oui. Il faudrait mettre que des couples. Les gens avec... Surtout avec un préservatif sur la tête. Si vous voulez. Mais sinon, ça peut un peu compliquer les choses. Mais quand on voit que des hommes, vous n'avez jamais vu les relations. C'est exactement pareil. S'il n'y a pas de femme, au moins, le problème ne se pose pas. S'il n'y a pas de femme, le problème ne se pose pas. Envoyez-moi avec deux bonhommes sur la Lune pendant un an. Croyez-moi qu'on va se poser des questions.
en lisant votre bio, évidemment, on a appris aussi, pardon d'en parler, mais que vous êtes aussi le fils de Michel Rocard. Et je voulais vous remercier pour toutes les réponses claires que vous nous avez données. Parce que je dois avouer. Ah, vous trouvez que mon père n'est pas clair, c'est ça que vous êtes en train de dire. Il a un peu la réputation d'avoir un discours un peu compliqué. Alors je me suis dit, non seulement il est le fils de Rocard, mais en plus il est astrophysicien, on va rien piger. Et finalement, vous avez été plutôt clair. Bon, merci. Il va bien ? Il va très bien, merci. Mais alors, c'est drôle, vous avez vraiment les mêmes expressions. Un peu, oui, peut-être. Mais c'est fou, les mêmes expressions que votre papa. On le dit, oui. Qui a été mis sur orbite pendant un temps, puis bon, qu'on n'a pas. Qu'on a perdu depuis, voilà. Qu'on a perdu de vue depuis. Cochrane. À quel âge ? Quand est-ce qu'on a le déclic ? Parce que tous les mômes, à un moment donné, disent « je voudrais être astronaute, je voudrais travailler dans… » Enfin, ils s'intéressent au ciel et tout, mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de ce désir de gosse au fait vraiment d'en faire son métier ? Bah, moi, mon exemple personnel n'est pas un très bon exemple, puisque ce hobby, je l'ai eu très tard. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui rêvent des étoiles à 8 ans, à 10 ans, etc. Et ensuite, qui veulent devenir astronomes. Et certains veulent devenir astronautes. Mais aujourd'hui, c'est quand même très bouché comme carrière en France. Hein, puisque il y a peu d'élus, oui, oui. Ça veut dire qu'un jeune Français qui a ce rêve-là, il ferait mieux de partir aux États-Unis ou en Russie, par exemple. Bah, Claudie Aigneret, elle avait dû habiter à la Cité des Étoiles, à Moscou. Je veux dire, pour s'entraîner, ils ont tous dû aller partir vivre. Elle a mieux réussi dans l'espace que dans l'Europe. Hein. Oui. Mais alors, j'ai bien compris, on est un peu faible pour envoyer des gens dans l'espace et tout. Mais est-ce que vous pouvez nous rassurer ? Est-ce que dans le domaine de l'observation, est-ce qu'on est en pointe ? Est-ce que dans le domaine de la recherche, est-ce qu'on est au niveau ? Ah, au point de vue recherche, on est certainement au niveau. On apporte des... Par exemple, sur Mars Express, nous avons d'excellents instruments qui fonctionnent très bien. C'est la première sonde européenne martienne là, qui tourne autour de Mars. Donc le problème, je dirais, c'est un problème de moyens. On n'a pas les moyens qu'ont les Américains pour faire le même travail. Est-ce que et pourquoi on irait si on a les moyens d'observer tout à quoi ça sert d'y aller si on sait ce qu'il y a dessus ? On ne sait pas tout du tout. En tous les cas, sur Mars, on ne sait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et sur Mars, c'est quand même, il y a une question très fondamentale qui est derrière tout ça. C'est de savoir si la vie sur Mars a existé. Voilà. Et si la vie a existé, c'est quand même la vie dans l'univers qu'on va découvrir. On sera la génération qui auront la réponse. En 2018, donc, les Américains iront sur la Lune et sera retransmis sur France 2 à 20... Non, on n'a pas encore vraiment le programme. Voilà. On vous remercie en tout cas pour vos réponses à nos questions. Monsieur Francis Rocard, astrophysicien. Au CNES, le CNES. Nous allons maintenant accueillir un humoriste et imitateur qui s'est récemment illustré par son courage et son endurance dans la première compagnie sur TF1, mais qui avant cela a longtemps été la célèbre voix des marionnettes du bébé de show et aussi évidemment l'auteur des fameuses roucasseries, vous aurez reconnu Jean Roucas. Ce soir, Jean Roucas est accompagné de sa femme Florence, puisqu'ensemble, ils ont écrit « Jamais l'un sans l'autre », un livre sorti la semaine dernière chez Michel Lafon, dans lequel ils racontent leur histoire d'amour. Début octobre, Jean Roucas sortira aussi un single intitulé « Super Papy ». Attention, les Rolling Stones n'ont qu'à bien se tenir. Accueillons tout de suite Jean et Florence Roucas. Bonjour, bienvenue. Bonjour Fabien. Je vous en prie, c'est pas facile de passer. Voilà. Bonjour. Jamais l'un sans l'autre. Des jeunes mariés, on a vu des photos récemment. Oui, surtout elle. Ça faisait combien de temps que vous connaissiez ? Ben ça, 8 ans. 8 ans. C'est cette histoire-là que vous racontez, les 8 années passées ensemble. Ouais. Ouais, oui, 8 années tumultueuses. Bon, donc vous n'avez pas été la première avec Jean-Marie. Non, la quatrième. Il y en a eu bien d'autres. La quatrième officielle. Comme dit Florence, je suis un intermittent du mariage. Et là, ça se passe bien, vous ne regrettez rien ? Très bien, oui. Ça fait 3 mois, il n'y a pas de problème majeur pour l'instant. Ouais. Jamais, et l'un sans l'autre chez Michel Lafon. Alors, il y a ce disque, je suis un peu surpris, Super Papy, il n'a pas l'âge d'être un super papy, Jean Roucas. Eh si, il faut croire. Hein, parce que quand même, ce qu'ils m'ont fait vivre là-bas en Guyane à 53 ans, j'en ai retiré qu'à cet âge-là, on n'est pas complètement manchot ni pourri. Je suis un super papy, je revendique. Et un super mari. C'est vrai ? Ouais. Ah, bah, vous avez l'air heureuse en tout cas. Elle a l'air contente, mémé. Mais c'est vrai. Parce que... Ce qui est formidable, c'est que donc par transitivité, si vous êtes super papy, donc c'est super mémé. Oui, mais enfin, quand même, des mémés comme ça, j'en souhaite à beaucoup de monde. Justement, hein. C'est pour ça que pour moi, 53 ans, vous n'êtes pas très crédible en super papy. Vous êtes un petit peu jeune quand même. Ah, merci, ça fait plaisir. Alors, le livre, c'est très touchant, c'est un peu plombant, pour être très honnête, parce qu'il y a des moments de... Vous l'avez lu ?
Oui, et vous allez me parler autrement, d'accord? Que ce soit bien clair. Non, on s'informe, on s'informe. On dit que ça ne doit pas être facile tous les jours, hein, genre. Non, parce que vous racontez, vous, vous êtes au fait de la gloire et en 3 mois, tout s'écroule et vous sombrez, enfin, vous le dites dans le livre, dans l'alcoolisme. Vous, pour survivre, vous faites la manche et tout, et c'est vraiment la rencontre. Heureusement, c'est quelque chose qui finit bien, ça finit dans un sourire, parce que sinon c'est très plombant, vraiment. Non, 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 vous l'avez pas lu. Oh non, il y a des moments qui sont assez drôles. Et en particulier, c'est de là que vient la surprise de la narration de Florence. Car Florence raconte ses 2 années de misère où elle a été obligée de mendier, car elle était accoquinée avec un toxicomane et elle allait chercher l'argent où elle pouvait. Et le seul moyen, ça a été d'être dans la rue. Et là, elle raconte et elle dénonce certaines petites choses qui sont assez amusantes. C'est très drôle parce qu'elle fait la manche, elle tombe sur Johnny Hallyday qui lui dit tout à l'heure, mais en sortant de la boîte, il dit j'ai plus un radis. Non, elle demande de garder sa moto. Oui, mais quand il sort, il n'a plus un radis. Elle rencontre un ministre d'État qui lui dit il lui dit ben oui, je vais vous payer, mais venez à l'ombre là, venez sous la porte cochère. Elle dit attendez, moi je ne vends pas mon corps. Il dit non, mais c'est pas pour ça. Et il se fait une petite gâterie en la regardant avant de lui donner son billet. Donc je veux dire, un ministre reconnu. Tout ça, ce sont des anecdotes qui sont. Il est encore en poste? Est-ce que vous savez faire sa voix, Jean Rocasse, à ce ministre? Non, parce qu'il a quand même beaucoup baissé en grade. Hein. j'ai écouté le disque aussi, surtout. Ah. Et ça, il y a des paroles qui m'ont un petit peu surprise, franchement. Par exemple? Je suis un pépère superstar qui n'a pas peur de se coucher tard. Bon, la rime est riche. C'est pas la. C'est pas du ferré non plus. Il y a plus que ça de riche en France. Les pâtes et les rimes. C'est... Et je suis un robot super fighter qui n'a pas l'âge de ses artères. Alors, soit vous avez pris des cours d'anglais avec Laurent Ruquier, soit pour la rime, fighter et artère, j'ai pas compris. Alors, je vous signale, vous avez lu le livre, écoutez le disque, mais vous parlez d'un homme que vous connaissez mal. Je parle couramment 4 langues vivantes. Et c'est pour ça que je vous respecte. Que ce soit bien clair. Par exemple, vous pouvez dire en 4 langues différentes, Jean Rocasse, je suis très heureux avec ma nouvelle femme. I'm very glad with my new wife. Oui. Ich bin sehr erstaunt mit meiner Frau. Sono molto contento con la mia moglie. Et putain, je suis vachement bien marseillais à Comagonzès. Alors, c'est vrai. Christine, Jean-Luc et Sophie viennent de le dire, je vais vous redonner la parole. Mais vous êtes celle qui avait sorti la tête de l'eau, du pastis plutôt, de Jean Rocasse. Oui, c'est terminé l'alcool. Il aime bien le bon vin, c'est terminé. Il lui m'a guéri de beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire qu'il m'a fait prendre confiance en moi. Vous êtes soignés mutuellement. Oui, on s'est soignés mutuellement. Christine, vous l'avez lu? Ah, c'est un formidable espoir pour toutes les casse-couilles qui nous regardent. Hein, parce que, franchement, Florence, qu'est-ce que vous avez avec votre jalousie? J'ai pourri la vie à Jean. Mais vous avez pourri la vie de ce mec pendant 8 ans. Je me suis guérie. Hein. Non, non, je me suis guérie. Non, mais attendez, le problème, c'est pas que vous soyez guérie, c'est comment il a pu supporter un truc pareil. Mais moi, il n'y a pas un mec qui a supporté plus de 2 mois le 1/10 de ce que vous lui avez fait. C'est vrai. Comment c'est une maladie, la jalousie, vous savez, mais je suis comme des milliards de femmes, sauf que c'est bien aussi à ce point-là, de ma part. Bah, Florence, à ce point-là... Un exemple de jalousie. Elle fouille dans son... Vraiment, c'est le truc que je ferai jamais. Elle fouille dans son portable pour regarder la liste des gens qui sont inscrits. Elle voit le dernier appel. Non, franchement, le truc, vraiment, je elle voit pas. Le dernier appel, Christine, bravo. D'une nana, d'une nana, elle compose le numéro, elle appelle la nana. C'est pas ça, il m'a guéri par le mal, en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement jalouse et excessive dans ma jalousie, qui m'a trompée. Donc là, ça m'a guéri. Et ça vous a guéri, tu vous trompes? Ah oui. Enfin, c'est bien. Vous êtes élégant un peu quand même. Je sais pas, Jean Rocasse, parce que dans votre portable, c'est fixe dans la liste. On a tous fait ça. Plutôt que de mettre le prénom de Marlène, avec qui vous avez eu une aventure, on le sait, en Guyane. Plutôt que de mettre Marlène, vous mettez Marcel. Et puis voilà, l'affaire est réglée. Oui, mais ça se ressemble, Marlène, Marcel. Non, mais c'est pas ça. Ce qui fait souffrir. Il y a quelqu'un qui va fouiller votre portable ce soir, moi. Ce qui fait souffrir dans la jalousie, c'est qu'on est souvent suspecté pour rien. Et c'était mon cas. Quand on est coupable et qu'on est suspecté, bon, à la limite, ça va. Mais moi, j'étais suspecté pour rien. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, ça fait 7 ans que tu m'accuses pour rien, maintenant, tu auras une raison. Mais Maureen, pardon. Allez-y, encore une question. Non, c'est-à-dire, j'aurais compris si c'était... Non, pardon, excusez-moi, mais vous n'êtes pas un mec...
C'est pas réel, c'est pas Alain Delon, tu vois, c'est pas non plus. Enfin, dans l'état où il est. Merci. Toutes les nanas sont pas au pied de Jean Rucard. Je m'excuse. Je me suis retrouvé à poil dans les magazines People entre Brad Pitt, Johnny Depp et Daniel Ducru. Oui, mais t'étais pas à ton avantage, je peux t'assurer. Oui, mais j'y étais. J'y étais. C'est l'essentiel. D'accord. Stéphane, peu quand. Non, mais je vous regarde depuis que vous êtes arrivé sur le plateau et je trouve ça super beau. C'est-à-dire que. Non, mais c'est vrai parce que Gaël. Bon, vous allez bien ensemble, les mêmes couleurs, tout parfait. Non, mais c'est pas ça, mais Laurent, vous les regardiez pas tout à l'heure, mais il y a eu une question peut-être qui était un peu désarçonnante. Alors, je les ai vus se prendre la main, se serrer comme ça et tout, ce qui est bien. Je vais vous dire, moi, les trucs people, ça m'énerve. Les couples qui s'affichent dans les magazines, ça m'emmerde. Ce genre de bouquin, c'est vraiment pas ma came, je vais être franc. Mais quand on vous voit, eh bien, tout simplement, on se rend compte que tout ça, c'est vrai. Alors qu'il y a tellement de gens qui viennent mettre en scène leur connerie, qu'au moins, ben, vous vous aimez vraiment. Ce bouquin, il est au moins bien pour ça. C'est que quand on lit votre truc, on a envie de croire à l'amour et de croire qu'en plus, l'amour, des fois, dans la vie des gens, c'est pas simplement un truc compliqué, c'est aussi un truc qui peut sauver les gens. Donc, merci pour ça. Mais merci, c'est gentil. Vandel, je suis totalement d'accord avec ce que dit Stéphane. Et ce qui est incroyable dans le livre, c'est que vous savez, quand on commence un livre, il y a tout le temps du même auteur. Alors là, je parle de Jean. Alors, du même auteur, c'est même visuel. Il y a un livre en 90, en 92, 92, 93, 94, et là, plus rien, un immense trou noir, et ça reprend en 2005. Alors, j'ai une question pour vous, vous étiez le type humoriste le plus connu de France, et peut-être même le mieux payé, parce qu'il y avait... Est-ce que vous allez faire comme Coluche une nouvelle carrière à la Tchéopantin avec des trucs pathétiques et réussis? Non, pas du tout. Ce que je dois dire, c'est que j'ai peut-être tracé une petite voie. Il y a eu le bébé de show, juste derrière, il y a eu les guignols. J'ai fait modestement mon travail. Oui, mais est-ce qu'il s'arrête où votre travail? C'était ça ma question. Mon travail ne s'arrêtera jamais. D'ailleurs, vous n'avez jamais arrêté, vous avez toujours fait de la scène pendant toute cette époque. Hein, toujours. J'ai jamais arrêté grâce au public. C'est grâce au public qui est venu voir les spectacles chaque fois que j'en ai fait un que j'ai pu continuer à gagner ma vie. Alors j'en ai déduit une chose, être populaire dans les médias, c'est une question de mode, mais avoir toujours un public, ça c'est une vraie histoire d'amour. C'est bien, ouais. C'est bien. J'ai lu que vous rêviez, après la première compagnie, d'avoir un prime time mensuel. C'est un peu pour ça que vous y alliez. Qu'est-ce que ça donne? On vous a proposé quelque chose? Vous allez faire recommencer de la télé ou... Est-ce que finalement la télé-réalité, ça amène à une suite, quoi? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des choses qui se concrétisent? Est-ce que vous m'auriez invité si j'avais pas fait la première compagnie? Ça c'est sûr, mais vous n'auriez peut-être pas fait de bouquin non plus. Voilà, et je crois que la réponse est là aussi. Voilà. Et alors l'ambiance là-bas en Guyane, manifestement vous êtes plutôt marré quand même si vous en avez bavé. Oui. Avec Jean-Pierre Castaldi, vous êtes resté pote? Avec Jean-Pierre on est pote depuis 20 ans, donc on s'est retrouvé dans cette aventure, on était content de le faire. Oui, c'est pratiquement le seul avec qui je sois resté en relation, parce que les autres ont repris leur train-train, leur vie. C'est un peu comme un film, hein. On reste ensemble pendant 3 mois, puis quand le film est fini, c'est rare qu'on se revoie, quoi. Mais Castaldi, lui, il vous appelle encore de temps en temps. Ah bien sûr. Ah, la preuve, le fameux canular téléphonique... Signé Morad avec la complicité de Jean-Pierre Castaldi. Morad fait son numéro. Bonsoir Laurent, bonsoir toute la France, je suis Morad, je fais un numéro avec mon complice Jean-Pierre Castaldi, très content de te recevoir Jean-Pierre. Bonsoir Laurent, bonsoir. Et attention, tout le monde. Nous allons appeler aujourd'hui un ami à toi, Jean Roucas. D'ores et déjà, on s'excuse de ce qu'on va faire Jean, on t'appelle immédiatement. Jeannot, c'est Castaldi à l'appareil. Comment tu vas Jean-Pierre? Jeannot, là, je suis dans une grosse galère, là, écoute-moi bien, j'ai pas beaucoup de temps. Écoute-moi bien, je viens de me faire choper là, en excès de vitesse sur les périphes, je suis tombé sur 2 gendarmes, réglo, mais alors j'ai une faille, il y en a un des deux là, c'est un fan de toi, il connaît tout de toi, et à mon avis, si tu lui parles un petit coup, là, tu peux m'arranger le coup, je peux te le passer 2 minutes? Passe-moi tout de suite. Je te le passe tout de suite, Jeannot, hein. Monsieur le gendarme, je vous le passe, je vous le passe. Vous êtes le vrai Jean Roucas? Oui, je suis le vrai Jean-Luc. Vous pouvez me le jurer, s'il vous plaît, parce que moi, les imitateurs... Je vous le jure, monsieur, je vous le jure. Ouais, je le jure, monsieur l'agent, s'il vous plaît. Je le jure, monsieur l'agent. Monsieur Roucas, juste une chose. Je vous demande, on va s'arranger, monsieur Roucas, il n'y a pas de problème, parce que vous... Je peux pas vous parler, non, mais monsieur Roucas, je vous aime bien, je vous le redis, je vous aime bien, d'accord? Oui, mais je vous remercie, mais... Excusez-moi, parler, monsieur. Alors, parlez-moi.
laissez-moi vous parler. Écoutez, je connais Jean-Pierre Castaldi, c'est un ami, je l'aime beaucoup. Je vous demande d'être indulgent avec lui, parce que c'est un très brave homme. Vous savez, s'il roulait un peu vite, il avait peut-être une raison. Il était peut-être sous le coup d'une émotion, il ne faut pas lui en vouloir. Oui, sous le coup d'une émotion de 75... Soyez indulgent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour moi. Monsieur Roucas, je peux vous demander quelque chose, s'il vous plaît, monsieur Roucas? Oui. Juste de vous à moi. Moi, parce que je vous explique, hein, le week-end, je fais aussi deux, trois petites vannes. Si je vous fais des imitations, vous trouvez, je vous jure, je serai plus indulgent. Écoutez, essayez de deviner qui je fais. Bonsoir, il est 20h. Patricia Roucas, revenez vite. C'est bien. C'est très bien. C'est Patrick Poivre d'Arvor. Mais c'est très bien. Attendez, une autre. Oh bah mon VTT. C'est Bourville, s'il est encore vivant. Oh c'est super. Merci monsieur. Eh, monsieur Roucas, ça fait super plaisir. Non mais réellement, vous trouvez... Mais qu'est-ce que je dois dire pour que vous libériez mon ami? Bah écoutez, vous me faites une imitation. Alors vous me faites Jacques Chirac. Qui me demande de libérer Jean-Pierre Castaldi, et je vous lâche le Jean-Pierre Castaldi. Mais bon, c'est exceptionnel parce que vraiment, je vous aime bien, monsieur Roucas, vraiment. Hein. Je le fais, pas de problème. Alors allez-y, attention. Écoutez, crac-crac, libérez Castaldi. Je vous en supplie et je vous en remercie. Monsieur Roucas, allô? Oui. Monsieur Roucas, juste une chose, c'est l'adjudant là, juste une chose. Je vais vous appeler tout de suite, quand vous décrochez, parce que ça sera mon supérieur qui va vous avoir au téléphone, après on le libère sur monsieur Castaldi. Quand vous décrochez, vous faites Jacques Chirac, d'accord? D'accord. En décrochant le téléphone, vous faites bonjour mon adjudant Meboul, d'accord? Il s'appelle l'adjudant... Non mais monsieur Roucas, je vous jure que c'est son vrai nom, je vous jure. Donc attention, on vous rappelle immédiatement, d'accord? À tout de suite. Très bien. En faisant Chirac, à tout de suite. Allô? Allô? Oui? Adjudant Meboul? Vous aviez compris à ce moment-là, évidemment. Oui. Morad, qui faisait son numéro. Vous aviez pigé à ce moment-là. Mais au début, je l'ai cru parce qu'en fait, ça m'est déjà arrivé une histoire comme ça, oui. Je voulais dire, tu vois, parce que moi je le connais depuis très longtemps, Jean, et d'abord c'est un mec extrêmement gentil. Oh, ça y est. Ça y est, là l'autre, attends. Je le connais depuis vachement longtemps. Écoute, c'est un type qui est vraiment gentil, d'ailleurs on l'entend au début où il ne sait pas du tout qu'il est piégé. Je crois que c'est vraiment. Moi tu m'as invité, j'étais rien, j'étais à tous mes débuts, c'était une immense star. Un mec très connu, après tu te fracasses comme tu le racontes, et tu n'as aucune de ces personnes que tu as invitées, à qui tu as donné des coups de main, des coups de pouce. Tu veux dire tu l'as jamais aidé toi après? Non. Je vais même vous dire, non seulement je ne l'ai jamais aidé, mais je crois que tu as été débarqué de TF1 à cause de moi, parce que Froufrou, tu as ratatiné ton audience à l'époque où on était en concurrence. Tu faisais une émission à 19h le samedi, souviens-toi. Oui, les roues cassées. Avec voilà, oui, voilà. Et ça s'est arrêté parce que Froufrou faisait plus d'audience. Donc, tu vois, c'est pas... Bah écoute, je suis bien content de savoir qu'il y a une raison à ce licenciement, parce qu'ils se sont jamais fendus d'un mot d'explication. Ah ben moi, ils me l'ont dit. Mais ils auraient dû me le dire à moi. Non, mais tu vois, et puis après, ils m'ont ratatiné avec autre chose qu'ils ont mis derrière toi, bien sûr. En tout cas, il est là aujourd'hui comme invité, Jean Roucas, et ça vous donne de l'espoir pour l'avenir. Oui, non, ce que je voulais savoir... Jamais l'un sans l'autre, une double remontée des enfers, un joli témoignage, c'est chez Michel Lafont. Et puis alors, pour ceux qui veulent s'amuser en famille, c'est un peu, on va le dire, c'est festif. Il est nulle part. Ouais. Comment ça il est nulle part? Il n'est pas dans les bacs, il ne sort pas. Ah c'est pas vrai? Oui. Ouais. Comment la musique française passe à côté du disque de Jean Roucas? La variété française. Allez, jamais l'un sans l'autre. Eh bien, jamais l'un sans l'autre. Vous allez essayer, vous aussi, de jouer au qui a vu quoi. Un petit rappel du classement. Regarde, je crois que c'est toujours Stevie et Caroline Diamant qui sont en tête avec 8 points. Philippe Vandel, vous êtes pas mal classé. À égalité avec Jean-Luc, 5 points. Sont toujours Emmanuel DeVos et Lambert Wilson qui, dans la deuxième partie du classement, ont été pour l'instant les meilleurs invités dans ce jeu, mais vous pouvez les battre. Et alors là, vous aurez le droit à une petite promo chaque soir si vous êtes dans ce classement. On va se défoncer. En revanche, Stéphane Potrin, Maureen Dor et Christine Bravo, c'est nul. Hein. Mais écoutez, je refuse de participer à un jeu où Stevie Boulet
gagner peut gagner. Mais oui, moi aussi. C'est principe. Allez, tentez de vous rattraper. Voici une première photo. Regardez-la bien. Qui écrit ? Ah, c'est George Bush. À Condoleezza Rice. Je reconnais le pouce de Jean, moi. Non, je dirais c'est Charles. Qu'est-ce qui un Américain. Je pense qu'il peut aller aux toilettes. Je pense qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Alors, d'abord, lisez-moi ce qui est écrit. D'abord, lisez-moi ce qui est écrit. J'ai besoin d'aller dans la salle de bain. Tu me parles en même temps. Je vais lire ce qu'elle dit. Attendez là. Oula. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce qu'elle écrit? Il a écrit « I think I need a bathroom break ». Ça veut dire « Je pense que j'ai besoin d'un break pour aller aux toilettes ». Jean-Luc? Oui, voilà. Et c'est Georges Bush qui l'a écrit, ça. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoine. Je crois que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Non, mais on est rassuré sur ce plan-là, il est bien réglé, quoi. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il demande l'autorisation à sa ministre pour aller aux chiottes, quoi. C'est fou, hein? Non, parce qu'il est en réunion, il veut pas dire, admettons que l'un d'entre nous est en vie. Enfin, Marquis, c'est le président quand même, c'est vrai. Le président, il fait ce qu'il veut. Enfin, je sais pas. S'il pète, c'est quelqu'un d'autre qui doit dire, excusez-moi. Autre photo. À côté de ces pneus, on peut voir quelqu'un. Qui ? C'est le jardin de Christine Bravo. Ça, je sais. Nelly Olin. Pardon ? Nelly Olin. Nelly Olin. C'est qui ? C'est la ministre de l'Environnement. Bonne réponse de Stéphane Potrin. À la décharge. C'est pourquoi elle est allée voir cette décharge, Stéphane ? Mais oui, parce qu'en France, il y a un grand nombre de décharges de pneus et qu'elle a enfin décidé de faire un truc utile et donc elle va essayer de faire en sorte qu'il y en ait moins. Et elle y est restée ? Comment ? À la décharge. Qu'est-ce que c'est méchant ! Autre photo. Sur cette photo, on ne voit qu'une partie de la photo. José Bové fait quelque chose de rare. Que fait-il ? Il mâche un chewing-gum. Il ne mâche pas un chewing-gum. Il lit un livre. Pardon ? Il lit un livre. Non plus. Il est sur son tracteur. Pardon ? Il est sur son tracteur. C'est-à-dire ? Mais il est sur son tracteur en train de labourer son champ. Bonne réponse de Maureen Dor, c'est quelque chose de rare. Photo exceptionnelle. Photo suivante. Ah ! Qui est ce monsieur ? Je sais. Moi, je sais. Merci. Elvis Presley. Bravo, Jean Roucas. Et pourquoi on voit cette photo dans le gala ? Mais parce que c'est lui qu'on a pris en photo. Oui. Effectivement, c'est Graceland. Et pourquoi on parle de Graceland ? Parce que c'est un musée qu'on visite. Parce qu'effectivement, c'est le deuxième lieu le plus visité des États-Unis. Ouais. Bonne réponse de Jean Roucas, accompagné par Christine Bravo. Autre photo. Que tient cette dame dans sa main ? Je sais. Un ticket de bus. Un ticket de bus, oui, ça paraît très logique, mais une non. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, non. Du colza. Du colza. Expliquez pourquoi ? Eh bien, parce que ce bus serait au colza, marcherait au colza, à l'huile de colza. Oui, et encore ? Mais c'est possible, mais ça existe. Vous avez une idée ? Non. Allez, on cherche ça. Moi, je le sais. Un petit équel qui remue la tête à l'arrière des voitures. Elle va le placer derrière le bus, non ? C'est un bordel ! Moi, je crois qu'elle tient du parfum. C'est une opération pour le bien des usagers pendant une semaine ou trois mois. Exactement ! Bravo ! Du parfum distribué aux usagers dans les transports en commun. Écoutez, c'est pas si mal. Une bonne réponse, Jean et Florence Roucas. Alors... Certains invités n'en ont marqué aucun point. Donc un point, c'est la moyenne. C'est ça, des noms. Vous en êtes bien sortis. Jamais l'un sans l'autre. C'est votre livre paru chez Michel Lafon. J'ai perdu Super Papy. Essayez de le trouver. La course au disque de Jean Roucas. Merci à tous les deux. Merci. Bon week-end.